Bonjour à tous. Nous allons voir maintenant ce que sont les parts 3, les parts 4, les parts 5 et le part total du parcours. En fait, le part, c'est un contrat qu'on passe avec le parcours. Par exemple, sur le dessin, le premier trou, c'est un part 3. On a un départ, un green, on a un coup pour aller sur le green, deux putts sont accordés, ça fait 3 coups, ça fait le part. Les parts 3, en général, ils font 225 mètres ou moins. C'est comme ça qu'on sait que c'est un part 3. Donc là, on a eu le coup du départ sur le green, les deux putts, 3 coups, le contrat est rempli. Pour un part 4, c'est le même principe. On a le départ, le green, un premier coup pour se mettre sur le fairway, un deuxième coup pour se mettre sur le green, et ensuite deux putts. Le contrat est rempli, c'est un part. Et enfin, le part 5, toujours la même chose. Le départ, le green, un premier coup, un deuxième coup, un troisième coup, et enfin deux putts. Ça fait 5 coups, on a fait le part sur un par 5. La différence entre un 4 et un 5, et aussi un 3, c'est une question de distance de trou. Donc on a dit que le par 3 faisait maximum 225 mètres, c'est une moyenne. Le par 4 fera maximum 440 mètres, et donc forcément, tous les trous qui feront plus de 440 mètres seront des par 5. Ça vous permet de déterminer le nombre de coups autorisés pour chaque contrat lorsque vous jouez. Le part total du parcours, quant à lui, ça englobe l'intégralité des 18 trous que vous jouerez pendant votre partie. Je m'explique. Vous allez avoir un certain nombre de par 4, un certain nombre de par 3, un certain nombre de par 5. Cela dépend de ce que l'architecte et le parcours ont décidé de faire, mais globalement, c'est 72 coups. Parfois, vous avez 70, 71 ou plus. En gros, vous pouvez avoir 6 par 4, 6 par 3, 6 par 5, ça fait une bonne moyenne, un peu de tout. Le contrat, à la fin de la journée, ce sera de faire 72 coups. Mais ça, c'est quand vous êtes déjà un joueur confirmé. Voilà, j'espère que vous avez compris ce qu'était 1 par 3, 1 par 4, 1 par 5 et le part total du parcours. Maintenant, à vous de jouer. Bonne partie. Alors, prêt à affronter le parcours ?